Bonjour et bienvenue ce lundi 29 mars. On se rapproche de Pâques. Lundi 29 mars. Ok. Oui, bah rien de... C'est bizarre parce qu'au début, on a l'impression que c'est beaucoup plus dur. Je trouve que les séances, c'est beaucoup plus dur au début qu'à la fin. Parce que là, il nous reste 1, 2, 3, 4 séances. Et franchement, elles sont pas... Voilà, hein, c'est pas... Bon, celle-ci, ok. Encore que... Il y en a un truc, vraiment. Voilà, bon. Allez, je vous propose de commencer... On va commencer par des respirations yogiques complètes. On s'assoit confortablement. Murcha, rétention de souffle, poumon plein. J'inspire, non, j'expire d'abord. Et j'inspire. Je le fais trois fois. Alors, on va faire des respirations abdominales. Donc, on va essayer de concentrer notre attention juste sur la respiration abdominale. Donc, on essaie de ne pas bien rester dans cet étage respiratoire. On va faire 3, 7, 15.
petite pause, respiration naturelle. Et je reprends. Respiration normale, respiration naturelle. Oh là là. Et je reprends. Voilà, on laisse la respiration naturelle revenir. On va faire Chitali. On va rouler la langue en tuyau et on va aspirer deux fois. On va faire deux fois 15 respirations. Respiration naturelle.
Deuxième fois. On va faire un massage abdominal, on va faire le Leaky Yoga. Donc j'inspire. Et à l'expiration, je vais venir masser comme ça le ventre avec mes paumes de main. Je vais essayer de tourner comme ça. Je vais essayer d'en faire 7 fois. Je vais le faire 3 fois. Troisième fois. On va faire la posture des vents. On commence par la droite. Hop, je viens amener ma cuisse droite en compression. Je change de côté. Je vais ramener les deux jambes sur l'abdomen, je fais 5 respirations.
Prochaine expire, je lève le front vers les genoux. 5 respirations de nouveau. Et je repose. Hop. Je vais venir m'asseoir. Je vais faire Uddiyana-bandha. Donc Uddiyana-bandha, je contracte Mula-bandha, je contracte la base, je contracte le périnée. Hop. Je vais après expirer. Je vais venir plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Et après, je vais aspirer le nombril vers le haut. Et je vais tenir après en suspension de souffle. Poumon vide, 7 secondes. Je commence, je contracte, j'expire. Je plaque le nombril contre le ventre. Et je relâche. Je le fais 3 fois. Bon, on va le faire 7 fois. Voilà. Allez, on va se mettre debout. On va faire quelques assouplissements, quelques petites postures d'échauffement pour la suite. On va commencer, on va enrouler la colonne vertébrale vers l'avant. Je pose bien mes deux pieds parallèles. Contact des talons, contact de la base des gros orteils, des petits orteils. J'étire le sommet de la tête vers le plafond, je ramène le menton vers la gorge et j'enroule. Quand le besoin se fait sentir, je plie les genoux, hop, mes mains touchent le sol, je remonte. Je fais 5 fois.
Et je remonte. Je lève les bras. Le bout des doigts vers le plafond, le sommet de la tête vers le plafond. Je fais quelques respirations ainsi. Inspire, je monte. Hop, et je redescends. J'enroule mes épaules vers l'arrière. J'attrape mes deux mains, je vais enrouler mes épaules vers l'arrière et je vais étirer les bras. Voilà. Je mets mes deux pieds parallèles. Je lève le bras droit et je vais descendre le bras gauche au long de la cuisse. J'ouvre toute la partie droite de la cage thoracique. Je change de sens. Et je reviens. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'on n'est pas trop mal. On va faire la première posture. Voilà. Je sépare mes deux pieds, posture du triangle. Je tourne mon pied droit vers l'extérieur. Je ferme un peu mon pied gauche. Je vérifie bien que mon bassin est de face. Je lève les bras. J'étire le bras droit, comme si j'allais chercher quelque chose de très très loin. J'étire, 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 j'étire. Je bascule, hop, je pose mon pied, j'étire mon bras gauche, je tourne la tête, je regarde le bras gauche qui est en l'air. Hop, et je remonte. Je remets mes deux pieds parallèles. Je tourne
Je lève les bras, je vérifie la position de mon bassin, je remonte bien mes rotules, j'étire, j'étire, j'étire. Hop, et je reviens. Oula. Je vais faire une fente. Je vais commencer en lançant ma jambe gauche en arrière. Je viens poser les mains au sol. Hop, je change de côté. Hop, et je remonte. Allez, on va s'asseoir. On va faire une torsion assise. Je me tourne vers la gauche. Dans un premier temps, je vérifie bien mon assise. Les pieds, les ischions, le sommet de la tête. Expire, je vais commencer à faire tourner le bas de ma colonne vertébrale. Je vais faire monter la torsion comme ça jusque dans la tête. Dans les cervicales. Dans la tête, oui. Allez, je commence. Dos droit, hop. Lorsque ma main passe au-dessus, ma main droite passe au-dessus du genou gauche, je pose ma main sur le genou gauche. Et je vais essayer d'aller regarder le plus loin possible derrière mon épaule gauche. Hop, et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Je commence par le bas. Hop. Et je fais remonter la torsion tout le long de mon dos. Et je vais essayer de regarder le plus loin derrière mon épaule droite. Et après, après on va faire une demi-sauterelle. Donc demi-sauterelle. Je pose le menton au sol, je tourne les poignets vers l'avant, je soulève ma jambe droite et je vais venir poser la jambe gauche dessus. Et le côté droit est collé au sol.
Je vous propose de faire un choix tête en bas. J'essaie de mettre mes oreilles à hauteur des bras. Je vais accrocher mon coccyx au plafond. Hop, et je pose les talons. Et je redescends. Culottine. Oui, on est bien. Allez, on s'installe pour la méditation. Je mets un petit timer. Allez, on va s'allonger, on va faire la relaxation.
Hop. Voilà, et bien notre séance touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous remercie beaucoup pour vos retours, votre pratique, pour tout en fait. Hein, c'est la dernière semaine du yoga vlog. Donc là, bon, j'ai un petit peu fatigué parce que j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires ce mois-ci. Mais je suis un petit peu triste quand même que ça, c'est une grande aventure qui se termine quand même. Parce que je sais pas combien de semaines on aura fait, au moins 8 semaines, ce sera la 9e semaine. Donc voilà, ça fait quand même un paquet d'épisodes qu'il y a eu dans le yoga vlog. Et puis bon, bah, c'était cool. Enfin, de toute façon, je ferai un épisode pour débriefer du yoga vlog. Alors, le yoga vlog, ça se termine, mais est-ce que pour autant les vidéos de yoga s'arrêteront? Eh bien non. Non, pas du tout. Ce que je vous proposerai par la suite, c'est de faire une vidéo avec une pratique plus longue. 1 h 15, 1 h 30. Donc là, par contre, on fera hein, toutes les séances, c'est-à-dire toute la séance. Donc, prise de conscience, échauffement articulaire, musculaire, posture, respiration, méditation, relaxation. Là, on fera tout. Voilà, donc c'est pour ça, 1 h 30, 1 h 25, 1 h 30, facile. Et après, voilà, donc au moins ça une fois par semaine, donc une plus grosse pratique. Après, si le format du yoga vlog, bah, vous préférez le yoga vlog, ben n'empêche de le prendre au début, ou de prendre une séance et de la travailler sur plusieurs jours, faire 3 jours, 4 jours, une semaine. Ça. Quand je dis une semaine, c'est 6 jours à la suite. Le mieux, voilà, c'est de se laisser toujours un jour de repos, c'est là où le corps va récupérer, c'est là où le corps va réparer un petit peu toutes les micro-blessures qu'il a au niveau musculaire. Voilà, donc c'est ce qu'il faut, c'est comme ça d'ailleurs qu'on progresse. Hein, d'ailleurs. On progresse sur le temps de repos. Voilà, donc si le format yoga vlog vous intéresse plus, bah, continuez sur le yoga vlog. Et puis bah, sinon, voilà, moi je proposerai une séance d'une heure et demie par semaine. Et je voulais rajouter donc une petite pastille. Donc là, ça peut être, il n'y a pas forcément de temps de durée qui sera mise en place, mais ça serait dédié bah, sur la constitution d'une petite bibliothèque chez soi avec bah, les livres de yoga. En tout cas, ceux que j'ai, je vous présenterai ceux que j'ai moi dans ma bibliothèque. Si c'est bien, si ça m'a servi, si c'est agréable à lire, si au contraire ça m'a jamais servi, ça a été un flop, enfin voilà quoi. Il y a des trucs, des fois on achète, on pense que c'est génial, et puis ben, on est là, puis en fait, c'est pas top. Donc voilà, donc, moi je vous donnerai mon avis là-dessus, ça veut pas dire que c'est une vérité, voilà, c'est pas. Vous, ça, pour un peu, vous, ça vous plairait quoi, mais moi il y a des trucs où franchement, ça me voilà. Heureusement, c'est une minorité. Et puis peut-être, c'est ce que j'ai. Je sais pas si j'en ai parlé déjà. Non, je sais pas si j'en ai parlé. C'est de faire des interviews, donc des interviews de gens qui voudraient s'exprimer sur le yoga, sur des gens qui n'y connaissent rien, connaissent pas les, enfin, qui connaissent rien, qui ne connaissent pas le yoga, qui n'ont pas pratiqué. Et ça va être intéressant, parce que justement de leur demander ce que eux voient par rapport au yoga. Après, de demander des. Voilà, faire une interview de gens qui pratiquent le yoga. Et une interview. Alors j'aimerais bien avoir aussi, c'est des interviews interview de profs de yoga. Alors ça va être peut-être plus compliqué, je sais pas. Plus compliqué, parce que bon, moi ça ne me dérange pas d'interviewer des gens voilà, que je connais, qui ont fait la même formation que moi. On n'aura forcément pas les mêmes réponses, mais ça m'aurait intéressé aussi d'interviewer des gens d'autres écoles. Donc bah, je vais contacter des profs. Voilà. Voilà. Et puis bah, puis on va se séparer avec le home. Donc bien sûr, hein, si vous venez découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, parlez-en à vos amis, parlez-en à tout le monde autour de vous, dites à quel point c'est génial. Et tout ça. Et puis si vous êtes déjà abonné, partagez sur vos réseaux sociaux, si vous en avez envie, et puis voilà quoi. Allez, on se sépare avec le home.
Allez, bisous à la main.